Salut à tous, bienvenue à Chikibriki sur cette vidéo d'Armurier partie 11, la mission du mécano. Il vous faudra donc modifier une crise vector, donc c'est en 9 mm. Et il faudra bien sûr, comme toujours, qu'elle ait plus de 60 de durabilité. Ici vous allez voir les pièces dont on aura besoin. Alors cette vidéo, cette quête, il faudra la faire au moins avec les marchands niveau 3. Je parle ici surtout de mécano et de peacekeeper, car il y a des pièces qui seront beaucoup trop chères et tout le temps en rupture sur le marché. Notamment ce rail MK5 ici qu'il faudra mettre. Ce rail MK5 ici, bah en fait, il n'est pas disponible avant un certain bout de temps, avant au moins du moins les marchands 3. Il me semble que celui-là, c'est mécano. Et puis pour skieur, vous allez avoir besoin de l'ANR Vector. C'est l'adaptateur de tube non rétractable pour crise Vector. Ce qui nous permettra de mettre dessus le tube de carabine avec le DS-150. Hein, voilà, c'est une cross crise défiance. Hein, il faudra la mettre la DS-150 en noir. Pour ce qui est du viseur ici, on a un compact. On a le Monstrum en fait en x2. Donc c'est ce qu'il faudra mettre dessus, vous mettez les deux bouts défiance. Normalement si vous avez acheté la Vector, vous avez ça directement dessus. La poignée c'est une TD ici, voilà c'est la poignée Dynamic Tactical Dynamics, la squelette. Le Big Stick il faudra le mettre, hein, c'est le chargeur grande capacité ici, 33 coups, on est obligé de le mettre ici sur ce build. Le silencieux ici ce sera le Osprey et il faudra bien sûr changer la longueur du canon aussi pour avoir ce canon fileté de 6 pouces. Il le faudra ce canon là donc c'est pareil, il faudra avoir Peacekeeper de niveau 3 pour avoir celui-ci de manière facile. On peut le trouver en raid, j'en avais trouvé un en raid mais voilà. Dans tous les cas vous voyez le build ici, c'est assez simple, hein, voilà, on a parlé de toutes les pièces ici. Je vais vous montrer quand même la liste ici des pièces à acheter. Vous voyez que même moi j'en ai pas beaucoup de disponibles, heureusement il y a quelqu'un qui m'en a donné sur le Discord. Donc voilà, j'en avais certaines que j'avais trouvées mais il m'en manquait quand même quelques-unes. Et pour la vidéo, le petit Idus il m'a quand même régalé sur les trois pièces qu'on voit, voilà, qui sont indisponibles même pour moi ici. Vous prenez la Vector, il y a déjà tout ce qu'il faut généralement dessus quand vous achetez les Vector. On enlève la cross, on met le nouvel adaptateur de tube non rétractable dessus, on met le tube de cross Colt carabine, vraiment c'est les moins chers. Vous voyez ça coûte absolument rien là pour le coup, pour ce que c'est. Et puis après, on va pouvoir aller directement mettre toutes les pièces dessus et rendre tout cela à notre ami Mécano pour cette partie 11 d'Armurier. Et donc voilà, si la vidéo là vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la soutenir avec un pouce en l'air. Nous on se retrouve sur une prochaine vidéo, que ce soit une vidéo ici de guide directement de quête Armurier pour la partie 12 juste après avec la SIGMPX. Ou sinon sur le Discord, sur Twitch, merci à tous ceux qui passent sur Twitch, merci à ceux qui laissent un pouce en l'air ici, un petit commentaire. Si vous avez trouvé peut-être des pièces moins chères, dans tous les cas pour tous les armuriers, n'hésitez pas à les partager à tout le monde. Je vous souhaite de passer une excellente journée, allez à plus, ciao ciao.